Après les chutes de Zongo dont le lien de la vidéo apparaît là maintenant sur votre écran, je me suis rendu une seconde fois à la province du Congo central pour filmer le jardin botanique ainsi que la cathédrale de Kisangani. Le jardin botanique de Kisanto a été créé en 1900 par Justin Gillet, un frère jésuite. Il est aujourd'hui un lieu d'attraction touristique incontournable. Si vous vous rendez à Kisanto aujourd'hui sans passer par le jardin, vous êtes sûrement passé à côté de l'une des plus belles choses à voir au Congo, sa riche flore. Juste un conseil, pour bien faire la visite, l'avant-midi c'est très bien. Soyez un peu sportif parce que le jardin, lui, il est vraiment vaste. On compte jusqu'à 225 hectares. Demandez à visiter avec un guide. Le jardin a plusieurs entités, dont un restaurant, un musée, une bibliothèque, une grotte, une pépinière, ainsi que des chalets. Vous pouvez donc y passer la nuit pour 40$ si cela vous chante.
lieu se prête à une visite avec un grand nombre de personnes, comme avec un petit groupe. Cette visite m'a permis de découvrir une autre ressource dont notre pays peut tirer beaucoup de recettes pour ses caisses, l'écotourisme. Un autre levier non encore pris au sérieux pour renflouer les caisses de l'État. Franchement, j'ai eu le sentiment que ce jardin n'était pas connu à sa juste valeur. Il n'est pas bien vendu au grand public. J'ai confié aux responsables même que j'ai trouvé sur les lieux que si j'étais en charge de la partie commerciale, leur chalet serait booké tout le temps, puisque le jardin a tout pour attirer le monde entier. L'histoire de sa beauté n'est juste pas bien racontée. Les ressources de ce pays sont-ils limitées? De par sa nature, le Congo a beaucoup d'arguments à faire valoir dans le secteur du tourisme pour ramener des millions de touristes au pays. Le Congo devrait normalement rivaliser avec les géants du tourisme comme la Grèce, le Maroc, la Tunisie, la Tanzanie et même les Maldives. Parce que nous avons l'eau, la forêt, la faune, les montagnes, nous avons même un volcan actif. Et je ne comprends toujours pas à ce jour pourquoi nous ne montons pas une vraie stratégie autour de ces possibilités que nous avons pour faire gagner de l'argent au pays. Beaucoup d'argent. Donc après ça, nous sommes partis visiter la cathédrale. Quelle belle architecture! Je ne sais faire des commentaires là-dessus. Juste profitez de ces belles images et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Garde la foi malgré tout que le Congo va se réveiller un jour et que bientôt nous allons voir ce géant se réveiller de son sommeil. Que vive le Congo, que vive l'Afrique.